Gazette populaire, elle est née en 83, quand un grand nombre d'organisations populaires et syndicales de la région de Trois-Rivières se sont rassemblées, ont fait ce qu'on appelait à l'époque un sommet populaire. Son but principal, c'est de démocratiser l'information, de donner une information aux gens pour qu'ils puissent mieux comprendre les enjeux de la société qui nous entoure, et ensuite de ça, mieux être en mesure de poser les actions qui s'imposent et de faire les choix qui s'imposent pour changer cette société-là puis la mettre à notre mesure. Ah, ok, c'est beau. Là, ça, c'est la date de distribution que t'as dit. Moi, je m'en vais à l'imprimerie le 22, par contre. Donc, en partant, les gens qui viennent travailler ici, c'est des gens qui partagent un certain nombre de valeurs, qui partagent les valeurs communes à tous les membres de l'organisation. Moi, j'ai travaillé une bonne dizaine d'années là, aux publications Laurentiennes, qui est une filiale de Québécois dans les Laurentides. Donc, j'ai travaillé dans l'entreprise privée. Cette recherche-là de profit à tout prix, je la vois pas dans le communautaire. De quelque part, moi, ça fait du bien parce que je vais travailler autant d'heures, je vais donner autant d'énergie pour produire, justement, un journal qui est très intéressant. Tout le monde travaille très, très fort. On arrive, tu sais, très tôt le matin, oui, on peut partir très, très tard. Hein? La semaine passée, en période de montage, on est parti. On compte pas les heures. J'ai fait un retour aux sources à Trois-Rivières. Et là, dans ma recherche d'emploi, j'ai vraiment ciblé la Gazette populaire, qui est un journal communautaire, qui prône des valeurs communautaires, de justice sociale, tout ça. Et ça, c'est un journal qui me ressemble. C'est un journal qui a toujours eu comme préoccupation première, non pas les profits, parce qu'une entreprise d'économie sociale, le but n'est pas de faire des profits, mais le but est vraiment de rendre à la population une information qui est différente, une information qui va faire progresser les mentalités. On a vraiment une mission d'éducation à la Gazette populaire. De repenser le développement. Les surplus qui sont réalisés année après année, quand il y en a, ils sont automatiquement réinvestis dans l'entreprise. C'est les employés qui voient leur poste consolidé. C'est peut-être un poste supplémentaire qu'on va ajouter éventuellement. C'est peut-être des améliorations dans les équipements. C'est peut-être une augmentation du tirage du journal. C'est peut-être une meilleure interactivité qu'on va développer avec les lecteurs. Il n'y a pas de notion de profit comme on la voit dans l'entreprise privée à ce moment-là. Le cœur d'entreprise, ben, c'est promouvoir des valeurs de justice et d'intégrité, de solidarité. C'est un beau cadeau, la Gazette, pour les lecteurs, pour les citoyens. Son père qui était projectionniste au cinéma, ça fait qu'il avait à cœur son théâtre. Hein. Il ne voulait pas de le voir disparaître. Ça fait que la municipalité s'était dit, on fait des rénovations d'usage pour le maintenir au moins en bon état. Quand viendra des gens intéressés, bien, on aura de quoi de solide. Il y a plusieurs bénévoles qui sont venus mettre l'épaule à la roue, et ainsi que la communauté de Butufeuil. Tous ces gens-là, ils ont donné pour 4000 heures de travaux bénévoles. Tout le monde était heureux, tout le monde était content qu'enfin les gens relancent ce petit bijou culturel-là. Lise et moi, on faisait du théâtre amateur avec les écoles avoisinantes ici. Donc on a amené nos productions de théâtre ici, puis on a marié ça avec la diffusion d'artistes professionnels. C'est comme ça que tranquillement, le théâtre a repris ses lettres de noblesse. Les billets sont tout de même, si vous voulez. Oui, le billet. Une des richesses principales qu'on peut retirer au jour le jour à vivre à l'intérieur d'un organisme comme le nôtre, c'est le contact avec les gens. La mission, c'est que ce lieu de diffusion-là, il appartienne au milieu aussi, qu'il serve pour le milieu, mais que le milieu puisse aussi voir des spectacles sans avoir à aller nécessairement à l'extérieur.
C'est la mission première. Et les cours de théâtre. On leur donne les moyens nécessaires d'apprendre à parler en public, d'apprendre à gérer le stress, respirer et de se dire « je suis capable ». Je pense que le but premier, c'est de se dire « je suis capable, je me donne un défi, je suis capable ». C'est pas mal l'aspect le plus intéressant, motivant pour nous autres là, de contribuer là, à ce que le théâtre Bécaud dure et perdure dans le temps. Dans les années 90, l'ECP, propriétaire de terrain ici, a fermé ses activités industrielles et se proposait de transformer son terrain en grand développement domiciliaire. Alors les Rosemontois, la communauté, se sont mobilisés et ont décidé de conserver la vocation industrielle du terrain. Lors de la mise en place de la Société de développement Angus et de son projet, il y a eu la rénovation d'un grand bâtiment industriel à caractère patrimonial. Et évidemment, qui dit construction, dit aussi génération de déchets. Donc, beaucoup de déchets ici et du bois. Alors, au lieu d'envoyer ce bois dans des sites d'enfouissement, comme ça se fait communément, les promoteurs de la Société de développement Angus ont eu l'idée de mettre sur pied une entreprise d'économie sociale qui veillerait à valoriser ce bois-là. Une entreprise privée ne pourrait pas se permettre, comme nous autres on fait, de prendre le temps qu'il faut pour préparer le bois avant de le travailler comme on fait ici. Étant donné que c'est un produit recyclé, il faut enlever une couche de goudron, une couche de peinture, puis des gauchères planées, comme avant de travailler le bois, comme si on le recevait directement du fournisseur. On a un bon, au moins un tiers de la job juste pour préparer le bois avant. Il y a le recyclage en matière, mais aussi le recyclage dans le sens que du travail des hommes qui ont coupé ces arbres-là, qui ont fait des planches avec. Tu sais, comme quand ça s'en va aux poubelles, bon, il y a la matière qui s'en va aux poubelles, mais il y a aussi le travail de je sais pas combien de milliers d'hommes, là, parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas des moyens technologiques comme maintenant, fait que c'était beaucoup plus de travail, là, ouais. Ben, moi, ça me tient à cœur parce qu'il y en a encore plein de bois actuellement qui s'en va toujours au dépotoir, là. C'est malheureux, là. C'est important, là, de réutiliser du vieux bois plutôt que d'en couper toujours des nouveaux arbres, là. On apprend beaucoup à se débrouiller ici aussi, parce que, bon, vu que c'est en démarrage, on n'a pas l'équipement adéquat, vu que la matière est un peu capricieuse, on est toujours en train de trouver un système pour se débrouiller, là, parce qu'il y a toujours des problèmes, en fait, là, à résoudre, là. Fait que notre système D est devenu très développé. Si, incluant la préparation, on peut réussir à devenir concurrentiel, je pense que ça serait ça notre grande fierté. Diane et moi, on a commencé par faire beaucoup de bénévolat dans les écoles. À la campagne. On a fait une comédie musicale ensemble qui impliquait quasiment la moitié de l'école. Après ça, on s'est dit, ben pourquoi on bâtirait pas notre propre entreprise qui serait une troupe de théâtre itinérante. On irait se promener un peu partout. On pourrait adapter ces décors-là à différents lieux. Alors, c'est là que l'idée a germé. Puis on s'est mis à écrire des pièces. Puis là, on a choisi la formule qui était une coopérative de travail pour se structurer. C'est et ça qui convenait le mieux, d'ailleurs. Hein? Joanne s'est joint à l'équipe à ce moment-là comme agente de communication. Je suis tombée amoureuse des pièces. J'allais les voir avec mes enfants. Et puis, je riais, là, j'étais crampée. Je pense que c'était aussi crampée que les enfants, sinon plus. Astéroïde de soleil! Arrête, papi, attends, que je t'explique comment ça fonctionne vraiment. En se déplaçant, les filles sont nomades. Ça leur permet de se rendre où la culture n'est pas nécessairement toujours. Puis moi, ben ça a un impact sur moi aussi, parce que c'est une espèce de satisfaction de travailler au niveau social aussi, tout en étant dans la culture accessible à tous.
on a eu comme une formation pendant 8 mois à peu près, là, avec, pour savoir comment gérer ça. C'était bien beau être comédienne, puis être capable de parler au monde, mais apprendre à gérer, à apprendre la comptabilité, puis à gérer le plan d'affaires aussi, mais ça, c'est une bonne chose de faire un plan d'affaires, parce que ça donne vraiment une vision, là, sur papier. Mais tu vois à mesure le cheminement aussi du début. C'est sûr que c'est toujours précaire, il y a toujours, on n'a pas de coussin, mais on n'a pas de dette non plus, je le dis tout le temps, on n'a pas de dette. On connaît notre capacité de prendre des risques, mettons. Mm-hmm. Parce qu'on est capable de gérer aussi nos activités, nos horaires en fonction du temps et de l'argent qu'on a. On s'est débattu pour essayer d'avoir le plus de contrats possible, puis quand on trouvait que c'était pas assez payant, ben on a changé nos orientations, parce que c'est plate de dépendre aussi de l'État. On est capable de s'adapter pour le moment, selon les besoins. Tu sais, si à un moment donné, bon, on a des contrats, bon, on est comédienne. Si le lendemain, on a un colloque ou de la comptabilité à faire, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Là, on touche à tout. Je sens pas l'ennui que j'aurais pu sentir dans un bureau. Puis parce que t'es décisionnelle aussi. T'as pas un patron, toi, qui te dit quoi faire. Voilà. C'est ça l'avantage. C'est ça. Il y a pas une de nous trois qui aurait été capable de travailler pour un employeur. Moi, je l'ai déjà faite, mais pas longtemps. Ah, pas longtemps. Je mourrais. C'était ma mort. Là, je suis vivante. C'est ça. Notre objectif principal, c'est pas de faire des sandwichs, puis c'est pas de faire de la bouffe. Notre objectif principal, nous, c'est de créer de l'emploi pour des personnes qui sont exclues du marché de l'emploi depuis longtemps, des personnes peu scolarisées. J'étais à l'aide sociale pour demander des programmes, puis c'est là que j'ai connu Concept. J'ai été appliquée pour Bouffel, pour travailler à Bouffel. Fait que je suis venue faire un programme extra qui veut dire expérience de travail dans une entreprise, finalement. Mais tu sais, j'ai arrêté d'une entreprise traditionnelle, ben t'es pas capable, t'as pas d'expérience, t'as pas de scolarité, ben on va passer à autre chose, tu sais, même pas. Mais tandis qu'ici, dans une entreprise d'économie sociale, ben non, tu sais, c'est fait tes preuves, mais même pas fait tes preuves, tu sais, c'est comme, ben s'il y a des petites affaires à améliorer, ben on va te le montrer, ils vont prendre le temps de nous le montrer, ils vont nous donner les ressources nécessaires, tu sais. Travaille avec des personnes, des fois, qui sont exclues du marché du travail, soit par des problèmes de santé qui ralentissent leur production. Fait que d'une entreprise, ben, tu n'es pas capable de produire rondement, ben, ça veut dire que tu ne rapportes pas autant d'argent que tu pourrais. Fait que c'est ceux qui vont te chipper. Mais ici, c'est pas ça le but, c'est que la personne, elle soit heureuse, puis que quand elle part d'ici, ben, faut qu'elle se sente qu'elle était capable, oui, d'accomplir quelque chose, puis qu'elle le réussit. Je suis co-coordonnatrice avec Linda. Dans le fond, c'est de voir un peu à tout. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise de Bouffel pose des gestes de solidarité. Le surplus de chaque année est redistribué à Concept pour que ça aille dans des activités d'alphabétisation et d'éducation populaire. C'est un beau geste de solidarité entre des personnes maintenant qui se sont sorties de la pauvreté et qui sont devenues des travailleurs, travailleuses et qui sont capables de redonner leur père, dans le fond, qui sont encore sans emploi. Tu m'aurais posé la question de la 5 ans, où tu penses que tu vas être dans 5 ans, bien, c'est pas ici que je t'aurais répondu, c'est plus assis chez nous encore à rien faire, là, mais non, au contraire, parce que j'ai eu la chance de montrer ce que j'étais capable de faire. Mais, fait que, tu sais, il y en a qui m'ont donné ma chance, fait que j'aime ça aussi, donner la chance aux autres.